Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organisent deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtement, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, Marie-Esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, 55 bis Avenue Galine, 69100 Villeurbanne. Prendre tram Terminus 4 ou Terminus 1, gare Pardieu direction Charpennes, arrêt Condorcet. Contact 0033 78 08 60 057. 0033 76 24 02 484. Mais péché, le monsieur, là, qui l'a vu? Quand il l'a vu, il peut réussir. Oh, celle-là, elle a embarqué l'histoire. Regardez comment on entend le feeling. C'est la sorcellerie. Elle a maillé la reine à son bruit. Non, vous pouvez pas passer un projet. Hein? Non, lui, c'est un peu des millions. Elle faisait des grands conseils. Mais Jésus va te délivrer. Oui, si, si, Jésus va te délivrer. C'est une valeur. On peut compléter. Pourquoi tu as construit la maison? Et voilà la galère. Mais oui,
Pour rien comme ça, on va au de machin, on parle mal de toi. Et puis les gens sont là, tout le monde croit. Est-ce que tu n'as pas fondu ta paix? Donc aujourd'hui, je dis, si l'on ne m'aime pas, que mon Dieu m'aime, je suis sauvé. Si l'on ne m'aime pas, que mon Dieu m'aime, je suis sauvé. Si l'on ne m'aime pas, que mon Dieu m'aime, je suis sauvé. C'est-à-dire, on dirait que j'ai asthme. Oh, j'ai jamais eu asthme. J'arrive chez moi à 6 heures. Dès qu'elle dépose mon sac, je rentre dans les toilettes. Voilà mes dispositions. Oui! Mon dos faisait mal ce jour-là. Tu n'avais jamais vu ça? Non, mais je suis, il y a longtemps que je suis reposé à mon âge. Tu es mon épouse. Depuis 3 ans après, tout est revenu. Est-ce qu'on a pu acclamer ça? Tout est revenu. C'est venu seulement hier. Tout est venu en même temps. Ça dit que tu peux faire des débats. Oui, je t'ai dit. Bébé de vieux. Bébé de vieux, je vais te l'envoyer. Non, j'ai vu sur le. J'ai vu sur, en Côte d'Ivoire, à la prison, j'ai une femme de 49 ans qui a fait 50 ans. Mais celle qui a 70 ans. Chose, la chanteuse là. Daina Ross. Daina Ross, elle a 70 ans. Il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé ça. Donc, mais j'ai dit, j'étais tellement contente que j'ai appelé. Je sais que je pouvais appeler même lui. J'ai dit, il faut lui. Bientôt, mais je suis célibataire, il n'y a pas mari, ils ont tous pris. Mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas. Ils vont revenir. Non, pas les anciens. Non, là. Non, mais j'ai pas de vie. Pas les anciens. Ils ont vu quoi et ils sont partis. C'est ça. Ils vont pas rester là, c'est nouveau là. Bon. Donc voilà mon témoignage. Amen. Est-ce qu'on fait la même chose? Vraiment, c'est une grande figure de la Côte d'Ivoire et que le diable a détruit. Et moi, je suis dans nos jargons ivoiriens, je suis très prêt pour l'aider. Amen. Voilà, je suis très prêt parce que la plupart des gens qui ont vu même la vision ont dit « Ah, prophète, fais tout, c'est la bien-mère, il faut la soutenir. » Ouais, ouais. Il y a fait d'autres avec des larmes aux yeux, ma lèvres, oui. Dit, mais tu l'as dénichée où, tu l'as levée où. Elle existe encore, elle vit. D'autres m'ont pensé que tu étais morte. C'est ça. Beaucoup pensaient que tu étais morte. Mais je pense que Jésus est vivant. Amen. Il reviendra en Côte d'Ivoire. Et tu auras des grandes émissions. Et il tournera aussi des albums que tu vas mettre sur le marché. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Et dès qu'il a commencé, il va l'achever parfaitement. Voilà, je pense que cette rencontre est trop spirituelle. Et Dieu te bénira davantage. Amen. C'est pour ça que le 13 février, avec le frère Hippolyte, on a choisi rendre grâce à Dieu à la salle où j'ai été délivré là. On doit le faire le 13 février. Amen. Il faut qu'on dise merci moi, à Dieu. Je serai là-bas. D'accord. Je tout fait pour être là. Donc voilà. Alléluia. Amen. Vous savez, chacun son don. Dieu a fait de moi un faisait des stars. Il y a des stars ici.